La chance qu'on a quand on fait une année auprès d'Intercordia, c'est quand même de pouvoir valoriser cette expérience-là par une formation universitaire et donc la rédaction d'un mémoire et la soutenance de ce mémoire. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur parce que on se dit qu'on va vivre déjà quelque chose de très fort et de très intense et on se demande parfois si on aura les moyens ou le courage de faire cette rédaction-là, de faire ce travail-là. C'est parfois un petit peu compliqué quand on a vécu des choses très fortes, de revenir sur l'expérience et de trouver les mots pour en parler de façon, on va dire, universitaire. Et du coup, le mémoire peut un peu faire peur. Mais je crois qu'il faut vraiment le voir finalement comme la trace de ce qui va rester physiquement après la mission, au-delà des souvenirs et des partages, de tout ce qu'on a pu vivre. Le mémoire va vraiment être une trace qu'on pourra garder toute notre vie et qui va vraiment valoriser notre mission sur place, notre engagement et le temps qu'on a passé sur place. Intercordia accorde une place très importante à l'écrit. Tout au long de notre mission, on nous demande d'écrire régulièrement pour nous, donc personnellement sur nos ressentis, nos expériences. Et une fois par mois, d'écrire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement et de le partager ensuite avec notre tuteur ou tutrice pour pouvoir avancer à deux sur peut-être les points plus difficiles ou au contraire les moments de joie qu'on n'arrive pas forcément à partager avec nos proches ou notre famille. Et cet apport de l'écrit est vraiment très important dans une mission où en général tout va très vite, on est à l'étranger. On est dans un contexte culturel qui est assez extraordinaire, on est entouré de gens extraordinaires et on a tendance à donner beaucoup, beaucoup de nous-mêmes. Et parfois, on oublie un petit peu de recevoir toutes les choses que nous apporte la mission. Et l'écrit, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je vais me poser quelques instants et je vais réfléchir à tout ce que cette mission m'apporte et je vais le poser sur papier ou sur ordinateur. Pour avoir ensuite une trace et le garder à travers notre cheminement et parfois revenir dessus dans les moments plus compliqués ou à la fin de notre mission, un peu revoir la trace de cette évolution qui est quand même toujours très touchante.